Bonjour, c'est Solidaire d'abord. Alors, nouvelle année, bonne année, hein, enfin, si on peut dire bonne année, parce qu'on ne sait plus où on en est. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, bonne année, mais c'est vrai que j'aimerais que tous les humains prennent enfin conscience et agissent pour protéger la planète et tout le vivant. Les pollueurs sont les payeurs. Qu'à liberté, égalité, fraternité soient ajoutées solidarité. Et que ce ne soit pas des vains mots. Moins de blabla, plus de social, Moins de flics. plus de fonctions publiques. Une justice vraiment pour tous. Sans passe-droit ni exception. Bon, très bien. Alors moi, je trouve que vous avez raison. Je dirais un État responsable, au lieu de nous dire que c'est nous qui ne sommes pas responsables par rapport à la santé, un État responsable, donc plus de lits et moins de flics, comme vous disiez. Pour finir sur la bonne année, on a vu que certains sont allés se la souhaiter à Dubaï. Il fallait avoir les moyens pour pouvoir le faire. Et comme d'habitude, les gens qui ont les moyens nous ont pris pour des cons en se disant que eux, ils étaient libres, eux, quand même, là-bas, avec leur pognon. Alors qu'en France, ceux qui ont osé essayer de faire une fête, une rave party, se sont retrouvés avec le fic tout autour. Bon, c'est vrai que c'est pas les mêmes budgets, hein. En cette émission que l'on a partagée avec Marie-Claude et Denis, parle de toutes les brèves dont on n'entend jamais parler sur les chaînes de pensée unique, et à la fin, il y a un petit sujet sur le baccalauréat. Bonne écoute! Toute l'info est écrasée par la Covid et donc on ne parle plus d'autre chose, même s'il y a beaucoup d'autres sujets importants. Et quand on parle de Covid, ce n'est pas pour vraiment faire participer les auditeurs au problème, mais pour leur asséner des décisions prises dans des sphères lointaines, par exemple le fameux Conseil de défense. On voit bien aussi que la pensée unique cherche à décrédibiliser tout ce qui ne va pas dans son sens. Avant, ce qui était critique était populiste. Maintenant, c'est complotiste. Même le bon sens est utilisé en géométrie variable. Soit cela ne veut rien dire, car porté par l'ERN, ou, en même temps, c'est la voix de la raison raisonnable, celle du pouvoir. Voici des extraits du Canard, une autre source d'infos pour les brèves très variées qui montrent pour beaucoup les errements de ce pouvoir qui continue de se durcir, perdant pied avec son mandat. Le seul fait, c'est prendre aux pauvres pour donner aux riches. Monsieur l'Allemand déclare, moi, ce que j'amène, c'est le sens de la tactique. Ne riez pas, ça pourrait faire penser à la tagada tactique du gendarme, mais avec lui, rien n'est drôle. Il dit, c'est par là, en surprenant ses adversaires, dans le marais de Pratzen, que Napoléon a remporté sa victoire. Je sais pas si vous voyez le pète au casque, hein, quand même. C'est face à des manifestants qui disent ça, hein. Toujours être là où on ne vous attend pas. Les commentaires du canard, c'est en d'autres temps, les illuminés qui se prenaient pour Napoléon finissaient à l'asile, pas à la préfecture. Alors, toi, Denis, Oui, mais il a aussi dit qu'on n'était pas dans le même camp. sur... Donc, le préfet de police de Paris, Lydie Lallemand, dans sa carte de vœux, cite Trotsky. Et il dit, sur sa carte de vœux, je suis profondément convaincu, et les corbeaux auront beau croasser, que nous créerons, avec, par nos efforts communs, l'ordre nécessaire. Sachez seulement, et souvenez-vous bien, que, sans cela, la faillite et le naufrage sont inévitables. Oui, plusieurs politiques ont commenté. J'ai vu que certains étaient outrés, pour d'autres, ils étaient surpris, étonnés. Moi, j'ai relevé surtout une citation qu'a donnée Sabine Rubin en réponse, on va dire. Une autre citation de Trotsky. L'histoire est faite par des spécialistes du métier, monarques, ministres, bureaucrates, parlementaires, journalistes, mais au tournant décisif, quand un vieux régime devient intolérable pour les masses, celles-ci brisent les palissades qui les séparent de l'arène politique, renversent leurs représentants traditionnels et, en intervenant ainsi, créent une position de départ
pour un nouveau régime, qu'il en soit bien ou mal, aux moralistes d'en juger. Autre brève, le Premier ministre a voulu la semaine dernière déposer un texte de loi pour donner un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Alors, le Premier ministre aurait eu le pouvoir de subordonner les déplacements des personnes, les accès aux moyens de transport à l'administration d'un vaccin. En gros, si tu n'avais pas le vaccin, si tu n'étais pas piqué, tu pouvais pas avoir accès à plein de choses. Le texte a été retiré le 22 décembre, alors qu'il avait reçu l'accord du Conseil des ministres. Tenez-vous bien, quand même. Donc, ils étaient tous d'accord là-dessus. Hein. Le texte a été retiré, vu le tollé général et la non-adhésion de beaucoup de députés affidés à l'AREM. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y avait le MoDem, le groupe Agir Ensemble, et beaucoup de députés l'AREM qui ne voulaient pas voter ce texte. C'est pour ça qu'ils l'ont retiré, pas pour d'autres raisons. Hein. Vous me direz, donc, plus de problème, ils ont retiré le texte. Oui, mais vous voyez bien, fenêtre d'Overton ou autre chose, vous voyez bien quelles sont leurs intentions. Puis ils renonceront pas, hein. Ils remettront ça sur le tapis. Hein. Comme notre prophète Ardéchoise voulait un couvre-feu à 18h. Et pourquoi pas tous en cavalier. Mais là, elle est revenue sur sa position en disant que finalement, il n'y avait pas beaucoup de contamination et que on verrait ça la semaine prochaine. Les chiffres ont bougé d'une façon magique. Mais ils nous surveillent en hélicoptère quand même. Hein. Oui, là, on a les moyens. Hein, pour voir si on sait jamais s'il avait fait la... un peu trop la fête, nombreux. En parlant de fête, interdiction de lancer des feux d'artifice. Oui, enfin, c'était interdit. Chez nous. Après, interdit. En Corée du Nord, c'est permis. Ah oui. Bon, enfin, bref, je vais pas aller en Corée du Nord pour autant. Hein. Bon. D'après une étude menée par les laboratoires Biogroup, 63% des patients déclarés contaminés par les tests antigéniques rapides se sont révélés indemnes après un test PCR de vérification. C'est une info qui a été donnée sur France 2 le 19 décembre. Le ministère de la Santé a promis de procéder à un grand nettoyage parmi la quarantaine de modèles de tests mis sur le marché à compter du 4 janvier. Je vous rappelle que l'info donnée sur France 2 a été le 19 décembre. Bonjour, la fiabilité de ces tests. Alors c'est pourquoi tu disais, Denis ? Ben oui, il faut bien passer les stocks. Le gouvernement a commandé des tests, maintenant il faut les passer, donc voilà, on va pas refaire le coup des masques de les laisser moisir. Il faut mieux les passer, comme ça ils moisiront pas, ils serviront à rien, ils moisiront pas. Le 7 octobre, la Commission européenne a signé un contrat avec le laboratoire Gilead pour réserver 500 000 doses de Remdesivir, médicament soi-disant anti-Covid, à 1 970 € l'unité. Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire. Si l'unité c'était 10 doses ou quoi, enfin en tout cas c'est beaucoup d'argent. Hein. Et tout ça sans attendre les conclusions de Solidarity, une étude de l'OMS chargée de tester l'efficacité du médicament. 8 jours après la signature du contrat, les conclusions du rapport avec peu ou pas d'effet sur les patients hospitalisés, le Remdesivir n'est pas adéquat. La France n'a cette fois-là pas passé la commande, car elle avait déjà testé le médicament. On pourrait dire cocorico, ouais, la France, c'est super. Mais en fait, la France, elle est dans la Commission européenne, théoriquement, non? Et elle n'a pas passé l'info. Alors justement, ça pose la question de la gabegie de moyens alloués aux labos. C'est ce que tu disais, Denis. Ils ont des tests, donc il faut qu'ils passent le stock. Ils ont du Remdesivir, il faut qu'ils passent le stock, etc. Et la communication défectueuse sur les infos, par exemple, ou sur les vaccins, avec des prix très différents. Enfin bon, voilà, par exemple, pour les vaccins, ces prix très différents, on en a appris presque par un bug d'une secrétaire d'État belge que les vaccins passer de 6 € à 33 € suivant le laboratoire. Bon, qui c'est qui va s'en mettre encore plein les poches? Oui, toujours les mêmes, les laboratoires, et voilà. Et Sanofi et compagnie, ils sont très cotés en bourse, il n'y a pas de souci, ils sont très cotés. Maintenant, le truc du produit, c'est qu'on a fait tout un pataquès avec le professeur Raoult, comme quoi sa pollution magique, là, c'était pas tellement efficace. Eh bien, celle-ci, elle n'est pas efficace, mais ça a été prouvé. Mais on a laissé passer les commandes, il faut bien que tout le monde mange. Hein. Alors que dire Et que dire du Conseil de défense? Alors le Conseil de défense, ça, il se réunit toutes les semaines. Qui prend ses décisions en secret,
comme au temps de guerre. Donc voilà, c'est les militaires qui sont aussi dans le Conseil de défense avec le Premier ministre et les ministres concernés par le Covid, avec des participants très militaires. Alors donc oui, c'est impressionnant. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils viennent faire les militaires là-dedans? Puis ils font semblant de jouer la démocratie, une fois leur décision arrêtée. Donc voilà, ils prennent une décision et puis après ils vont consulter. Donc consulter quand les décisions sont prises, c'est du foutage de gueule. Enfin, il y a un conseil de défense très secret parce qu'ils ont peut-être peur que le virus soit au courant des décisions qu'ils prennent. On parle doucement. Alors. À propos de vaccins, nous avons visionné une vidéo très intéressante parce que l'intervenant se met à la portée de tout le monde. Il nous informe vraiment sur les différents modes de vaccins existants. Pour trouver cette vidéo dans votre moteur de recherche, vous tapez CRIIGEN, C-R-I-I-G-E-N. Alors, ce qui veut dire Comité de recherche information indépendante sur les gènes et la génétique. Puis vous tapez vaccin, donc CRIIGEN, vaccin, et le nom du chercheur qui est généticien moléculaire à l'université de Paris-Saclay. Ce chercheur s'appelle Christian Vélo. CRIIGEN, vaccin, Christian Vélo. Il se dit, lui, Christian Vélo, vaccino-prudent. Cette vidéo est très pédagogique. Elle nous informe sur les vaccins existants. Tout d'abord, les anciens vaccins sur virus. Alors, le virus inactivé, premier vaccin. Les virus atténués, deuxième vaccin. Ou sur les protéines recombinantes qui sont sur la couche de graisse entourant le virus. Alors, on peut travailler sur ces trois choses-là pour arriver à créer un vaccin. Mais depuis quelque temps, on crée de nouveaux vaccins, vous le savez sans doute, sur l'ADN et sur l'ARN messager. Donc là, on rentre dans quelque chose où on joue un peu les apprentis sorciers, parce que ce chercheur nous dit que il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre qu'il y a plusieurs sortes de risques. Alors, par exemple, sur la thérapie génique, vous savez, sur ces maladies rares, ça a déjà été testé avec l'ADN, par exemple, faire un travail sur l'ADN. Et en fait, on se retrouve avec, dans une étude, par exemple, 2 morts sur 10 cas. Bon, et puis, en même temps, il y a aussi une possibilité de recombinaison virale sur l'ARN messager, par exemple. C'est-à-dire, un petit bout d'ARN a été transformé, il va à l'intérieur de la cellule, mais la cellule est déjà infectée par un virus. Eh ben, il peut y avoir une recombinaison de ce petit bout d'ARN qui a été transformé, et on va arriver à créer un nouveau virus. Attention, alors c'est pas à très grande échelle, c'est-à-dire que ça ne peut se passer que justement s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vaccins. Mais là, il parle de 10 millions, 100 millions de personnes qui vont être vaccinées, donc le risque est là. Une autre brève. En Grande-Bretagne, on dénonce la chumocratie, qui veut dire les copains du pouvoir. Par exemple, une société fabriquant des kits de tests, Randox, ont décroché pour 527 millions d'euros de contrats publics. Owen Paterson, élu conservateur, reçoit 100 000 euros pour ses conseils à l'entreprise Randox chaque année. Bon, on nous parle de conflit d'intérêts et je vous parie que l'on n'est pas au bout de nos surprises. Une bonne nouvelle qui nous vient de l'étranger, en Argentine, une nouvelle loi va permettre aux femmes de choisir si elles veulent avorter. Un peu de liberté dans ce monde qui se ferme. Enfin, en Amérique du Sud, tous les États ne sont pas tous même lotis, la même enseigne. Et Bolsonaro, là, le président de la République du Brésil, il a bien déclaré que lui, tant qu'il sera au pouvoir, il est hors de question que les femmes puissent avorter au Brésil. En février, sera organisée au Sénat, à la demande de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, un débat sur la guerre au Sahel. Cette guerre a été entamée en 2013. Ce ne sera pas une commission d'enquête, mais cela devrait permettre à tout un chacun de mieux comprendre l'intervention française et ses échecs. Malgré toutes les fausses bonnes nouvelles dont on nous rebat les oreilles sur la montée en puissance des armées locales, l'efficacité prochaine de la force africaine ou l'arrivée possible de quelques dizaines de combattants européens. Surtout qu'en prime, on nous dit « nous nous battons là pour notre liberté face aux intégristes ». Alors que la question se pose, avec nos militaires vécus comme force d'occupation, nourrissons-nous une résistance qui utilise ce qu'elle peut, tous azimuts, y compris les intégristes, pour combattre l'occupant. Un grand rassemblement de plus de 200 maires de moyennes et grandes villes
représentant plus de 10 millions d'habitants, doit se réaliser à Roubaix dans les prochaines semaines, à la barbe de Jean Castex qui ne nous le veut pas. C'est un conseil national des solutions pour des recettes qui marchent dans les quartiers. Cela est réalisé par les signataires le 14 novembre. D'un appel pour non-assistance à territoire en danger. Ces gens cherchent des solutions après que Macron ait enterré le plan Borloo en 2018 qui était consacré aux communes défavorisées. Entre deux limogeages de journalistes, Bolloré, premier actionnaire de Vivendi, vient d'acheter le groupe Prisma. Entre autres, voici Gala, Géo. Ses proches, par exemple Nicolas Sarkozy, raconte qu'il finira par acheter une grande radio généraliste, si ce n'est pas Europe 1, ce sera RTL. Profitant de l'indifférence des pouvoirs publics, les milliardaires continuent de grignoter l'indépendance de la presse. Le Parisien, les Échos, sont maintenant contrôlés par Bernard Arnault, Le Monde, par Xavier Niel. Xavier Niel en vogue avec Hidalgo. La mairie de Paris reste maître des permis de construire et Niel fait beaucoup d'affaires immobilières. Il investit beaucoup dans la pierre. Moyennant 205 millions d'euros, il a réhabilité la halle Freycinet, bâtiment ferroviaire pour abriter ses journaux de l'immeuble pont du groupe Le Monde, dont le bâtiment de 204 millions deviendrait propriété du groupe à condition que celui-ci rembourse à Niel 12 millions par an pendant 17 ans. À fond perdu, dit-il. Depuis des décennies, le gouvernement français promet de consacrer un jour ou l'autre 0,7% du PIB à l'aide au développement des pays pauvres. Depuis la lanterne, le 17 décembre, devant le Conseil présidentiel pour le développement, Macron s'est engagé à porter cette aide à 0,44% en 2019 à 0,55% d'ici 2022. Mais j'espère qu'il sera plus là. En 2025, il rase gratis de toute façon. Oui, oui, c'est mais bien. D'ici là, peut-être on aura changé. Triste époque pour certains aspects. Même si le peuple montre qu'il s'est relevé la tête et parfois fait vaciller le pouvoir, souvenons-nous de décembre 2018 et Macron prêt à être exfiltré en hélico. Pour l'heure, la Macronie, épaulée par le Conseil d'État, considère que les curés, les églises et les bénitiers sont plus essentiels que les musiciennes des cinémas ou les théâtres et sans schizophrénie. Aucune, le petit Macron nous brandit la laïcité à la française pour lutter contre les fous d'Allah, chercher l'erreur. On est mieux loti que l'Arabie Saoudite quand même, où Lou Jane Al-Atloul, jeune femme saoudienne, paie cher le fait de s'être installée en 2014 à la place du conducteur dans la voiture. Elle a transformé ça comme un combat public, 2 ans avant que les femmes aient le droit de conduire dans ce pays. Pour la justice du prince Ben Salman, cela relève du terrorisme, tenez-vous bien, hein, ou de la trahison, et ça déstabilise le pays. Ben, il en faut peu hein, quand même. Arrêtée en 2018, elle a été sollicitée par la police pour revenir sur ses accusations, parce que elle a été battue, torturée électriquement, abusée sexuellement, et elle a refusé de revenir sur ses accusations contre une libération. C'est-à-dire, on lui proposait, en gros, de monnayer sa parole. Elle pourrait être libérée quand même dans les mois qui viennent, à condition qu'elle se taise. Bon, voilà, on fait pas de bruit. Hein. Au fait, notre pays fait des affaires avec ce pays-là, bien et sûr. Ce dirigeant-là. Bien sûr, il fait des affaires. Mais enfin, bon, pour en revenir à la police, peut-être qu'il faudrait peut-être qu'on balaye déjà devant notre porte. Et c'est l'histoire de la poutre dans l'œil du voisin, qu'on a dans le sien et la paille. Donc voilà, il faudrait quand même, si on cherche un peu, il y a de quoi dire. Et pourquoi tu parles de la femme au parapluie, là? Oui, oui, je parle de la femme au parapluie qui a fait une vidéo, là, qu'on peut voir sur YouTube. Elle dénonce toutes les pressions qu'elle a eues. Parce que voilà, elle avait un parapluie et qu'elle n'avait même pas le parapluie, c'est sa copine qui l'avait. Donc elle a été accusée de pire mot et elle est restée trois jours en prison pour être jugée pour des faits qui sont pas réels. Et elle voulait l'interdire de manifester à Paris. Un chef, alors complètement une autre brève, un chef d'État africain se succède à lui-même au mépris de la Constitution et son homologue français dit amen, ayant obtenu de gros contrats pour les entreprises tricolores. On dirait une vieille histoire de France-Afrique. Mais non, cela vient de se passer en Côte d'Ivoire, le 14 décembre, avec la cérémonie d'investiture de Alassane Ouattara.
Il a fêté son nouveau sacre en présence de collègues africains et de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, et de Nicolas Sarkozy. Tiens, qu'est-ce qu'il foutait là, lui? Bon, c'est vrai que c'est lui qui, entre autres, a mis Alassane Ouattara au pouvoir. Enfin, vous direz que je suis mauvaise langue. Et il y avait aussi Martin Bouygues, entrepreneur du métro d'Abidjan. Je ne sais pas ce que valait vraiment Laurent Gbagbo, mais Sarko a participé à le virer en toute indépendance, il y a quelques années. Ce n'est pas France-Afrique, mais cela ressemble. En Nouvelle-Calédonie, pour raffiner le nickel, il y a là un quart des ressources mondiales. Nickel indispensable, pour l'instant, dans la fabrication de téléphones portables ou de batteries de voitures. Pour raffiner le nickel, dont il faut de l'acide sulfurique très polluant, qui est évacué d'une part par un tuyau de 23 km qui déverse en mer les métaux lourds au large de la zone de pêche. Et d'autre part, on stocke le reste dans un bassin de rétention qui existe grâce à un barrage géré pour l'instant par une entreprise brésilienne qui a un directeur français, Antonin Beurrier. L'entreprise a déjà eu des problèmes avec la gestion d'un barrage ailleurs qui s'est effondré. Il y a deux propositions de reprise de gestion du barrage. La première, dans un montage financier, M. Beurrier s'associe avec Trafigura, société suisse, société impliquée dans des affaires de corruption en Irak, au Brésil et en Côte d'Ivoire. La deuxième proposition est Canac, avec une entreprise Sofinor pour une usine pays, respectueuse tant que faire se veut de l'environnement. Enfin, la France soutient le projet de Beurrier et promet 300 millions d'aides publiques. Alors évidemment, ça a provoqué des émeutes, des troubles graves, et les associations Canac alertent le Haut Commissariat aux Nations Unies aux droits de l'homme pour violation du droit civique, politique et économique du peuple Canac. En plus, les associations portent plainte devant le parquet financier de Paris. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, tente de négocier avec les Kanaks pour faire passer la pilule. Oui, on ne sait jamais. On voulait traiter un sujet qui concerne tous nos jeunes, le baccalauréat. Oui, alors une ordonnance a été publiée au Journal officiel le 24 décembre, juste 2020, juste avant Noël, permet au gouvernement d'adapter les modalités de l'examen jusqu'à 2 semaines avant le début des épreuves. Donc voilà, d'autres examens seront également concernés. Des modifications sur le nombre, la nature, les coefficients, le contenu ou encore les conditions d'organisation des épreuves. Le nouveau bac qui devait rentrer en vigueur mêlant épreuves écrites et contrôle continu, parmi celles-ci, les évaluations communes, première et terminale, sont annulées au profit du contrôle continu grâce à la prise en compte du bulletin scolaire. Alors, contrôle continu, ça veut dire école différente, niveau différent, peut-être privatisation de l'école publique, hein, ça peut aller jusque-là. On peut se demander s'il n'y aura pas les bons élèves et les gentils élèves qui seront pris en compte d'une façon différente de ceux qui seront peut-être un petit peu plus, libres. Hein. Turbulents. Turbulents. Et puis, là, ça veut dire aussi une différence entre ruralité et ville. C'est ce que tu disais, Denis, sur le fait qu'on n'a pas les mêmes possibilités d'options. Ben oui, en ville, il y a plus d'options qu'à la campagne, enfin, en réalité, et ça pose déjà des problèmes. Mais là, ça va les accentuer. Cette mesure, donc, concerne l'histoire géo, les langues vivantes et la spécialité qui n'est pas poursuivie en terminale. Mais il y a aussi les maths pour la voie technologique et l'enseignement scientifique pour la voie générale. C'est à n'y rien comprendre. Un flou nommé flexibilité par le gouvernement, mais qui est sans doute une source de stress énorme pour les élèves. Alors la flexibilité, on en met à toutes les sauces. Hein. Les syndicats ont fait un ensemble de propositions pour emmener les épreuves. Une pétition signée par les plus de 20 000 personnes demande un report en juin de certaines spécialités qui étaient prévues en mars. Comment voulez-vous que les élèves puissent s'organiser dans ce flou total et avec la suppression du grand oral? 3 scénarios possibles. Alors, premier scénario, un report au mois de juin. Oui, le deuxième scénario qui pourrait se faire, c'est le maintien des épreuves, mais à distance, comme à l'université.
Ce qui pose problème, car à mon avis, tous les élèves ne sont pas équipés de la même façon chez eux, et donc certains ne pourront pas passer les épreuves dans de bonnes conditions. Troisième possibilité, prendre en compte uniquement les notes du contrôle continu, tout en maintenant le grand oral. Nous savons que Jean-Michel Blanquer va être très pris pendant la campagne régionale en Île-de-France. Nous savons également que les décisions importantes à prendre pour le déroulement de ce bac doivent l'être à temps pour permettre aux élèves une bonne préparation. Quant aux questions, le ministère, en tant que parent aux élèves, il nous renvoie à un site internet quandjepasselebac.education.fr pour obtenir des informations utiles. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.